avec les pleurs. D'accord ? Lorsqu'on fait tawba, on pleure devant Allah. On va pleurer, pleurer. Alors, si on ne peut pas pleurer, comment on fait ? Hein ? En urdu, il est en anglais atteint. On fait semblant de pleurer. Ça, c'est hadith, ça. Le prophète me dit, si vous ne pouvez pas pleurer, efforcez-vous de pleurer. Imitez, quoi. Imitez. Parce que avec l'imitation de quelqu'un qui pleure, on ne sait pas, nous, si Allah, hein, son hidayat, Allah, sa miséricorde, il déverse une eau, il déverse une eau, il n'y a pas besoin de ça. Allah a peut-être besoin seulement d'une imitation de quelqu'un, oui ou non? On essaie d'imiter le prophète. On ne fait pas comme le prophète, on essaie d'imiter l'extérieur. Peut-être Allah va corriger l'intérieur. On essaie d'imiter quelqu'un qui pleure sincèrement. Allah subhanahu wa ta'ala, il va déverser sa miséricorde. Et sachez-le, lorsque quelqu'un il pleure, lorsqu'il arrive à quelqu'un de pleurer, ça c'est un signe que miséricorde d'Allah est en train de descendre. C'est pour ça, lorsqu'on voit quelqu'un, c'est pas souvent qu'on voit, peut-être dans d'autres pays on voit, si on voit quelqu'un, peut-être dans le mois de Ramadan c'est plus fréquent, on voit quelqu'un qui est en train de pleurer. Dans masjid par exemple, les conseils que les ulama nous donnent, asseyez-vous pas loin de la personne. Ne pas gêner la personne, mais asseyez-vous pas loin de la personne. Vous aussi faites doigt et vous aussi pleurez. Parce que Rahmat d'Allah est en train de descendre là. Rahmat d'Allah est en train de descendre. Ne veut pas. Chacun veut sa part de miséricorde. Hein? Ça me fait penser à quelqu'un qui a dit, quand on fait doigt là, quand on fait doigt, alors la question se pose, est-ce qu'il fait doigt les mains collées ou bien il fait doigt les mains écartées? D'accord? Alors, il y a quelqu'un qui a dit, non, on doit faire doigt les mains écartées parce que lorsqu'on demande à Allah, eh bien, on veut qu'Allah nous donne. On demande beaucoup de choses. D'accord? On demande beaucoup de choses. Donc, si on demande les mains collées, c'est comme si on demande peu de choses. Mais quelqu'un dit, ben fais doigt comme ça alors. Ben oui, on demande beaucoup même. Mais pareil, ça veut dire, il ne faut pas être désespéré. Désespéré dans la misère d'Allah, il ne faut pas avoir ça. Quelqu'un qui est en train de pleurer, on s'assoit à côté, on fait doigt et on pleure aussi, hein, pour bénéficier de cette miséricorde. Donc, ce regret-là, il s'exprime par les pleurs. Ce regret, il s'exprime aussi avec l'intensité et l'émotion avec laquelle on va demander pardon. Je dis bien, je ne dis pas ce qu'on va dire, je dis comment on va le dire. Avec le cœur, hein, demande tawbah avec le cœur. Il y a des gens qui font doigts, mashallah, connaissent tous les doigts en arabe, tous les doigts en français, tous les doigts en anglais. Les doigts sont rythmés aussi. Vous avez vu ça, hein? À la fin, il finit an, ben rabba, tauba. Ça, c'est joli. On ne dit pas que c'est pas bon. Mais Allah ne regarde pas ce qu'on dit. Allah regarde comment on le dit. Et pour vous prouver, je vous donne deux exemples. Deux exemples. On peut se tromper de notre doigt. On peut se tromper de notre doigt, dire le contraire de ce qu'on veut dire. Mais si c'est demandé avec sincérité, Allah il accepte. À l'époque de Moussa alayhi salatu wa salam, il y avait quelqu'un qui était un adorateur d'idoles. Alors l'idole en arabe c'est Sanam. Ceux qui connaissent un petit peu le Ya Sanam, malheureusement c'est très grave, hein, parce que dans les chansons de Bollywood là, on dit Ya Sanam. D'accord? Ça veut dire qu'on invoque les idoles. C'était juste à titre d'information. Pour qu'on ne dise plus ce genre de choses, si on avait l'habitude, bien si à la maison, les dames ont l'habitude de faire, il y a une chanson, il y a Sanam. Sanam, c'est l'idole. On invoque l'idole. D'accord? Donc, l'idole, c'est haram, ça. Adorer l'idole, invoquer l'idole, c'est haram. Donc, lui, il disait, Ya Sanam, Ya Sanam, Ya Sanam. Et à un moment donné, par erreur, c'est sorti de sa bouche, il y a Samad. Samad, c'est un des attributs d'Allah. Oh, celui qui mérite d'être adoré. Je ne sais plus exactement la traduction. D'ailleurs, Samad, on ne peut pas vraiment traduire. Regardez la traduction dans le Coran. Donc, Ya Samad. Allah subhanahu wa ta'ala révèle à Moussa alayhi salatu wa salam, oh Moussa, va dire à cette personne-là que je ne l'ai pas pardonné. Moussa, il dit, ah bon? Pourquoi cette personne? Qu'est-ce qu'il a fait comme grande action pour être pardonné? Elle dit, non, par erreur, il m'a appelé. Par erreur, il m'a appelé. Ya Samad. C'était Ya Sanam. Ya Samad. Par erreur, il m'a appelé. Moi, je lui réponds. Donc là aussi on voit qu'Allah ne regarde pas qu'est-ce qu'on dit, on regarde comment on le dit, avec quel cœur on le dit. D'ailleurs, il est rapporté dans le Bukhari, même il est rapporté le hadith de cette personne-là qui va dans la jungle ou bien dans la forêt et ensuite qui a une monture avec des provisions dessus. Et cette personne-là, elle perd, au Kamankol, hein, cette personne-là, sa monture, elle s'égare, ses provisions avec, et elle pense que sa dernière heure est arrivée. Il ne peut faire rien là, elle s'endort, par dépit. Elle s'endort en attendant de mourir. Et lorsqu'elle se réveille, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit
Subhanallah. Elle voit la monture qui est devant elle. Elle voit les provisions, tout est là, comme avant. L'intensité, la joie avec laquelle cette personne-là, elle va demander à Allah subhanahu wa ta'ala le doigt. Dans le hadith, il est dit, cette personne-là, par erreur, elle dit, « Oh mon serviteur, je suis ton Seigneur. » Au lieu de dire, « Oh mon Seigneur, je suis vraiment ton serviteur », elle dit le contraire. Mais Allah, il accepte son tawbah. Et dans le hadith d'ailleurs, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala est plus content lorsque quelqu'un se repent devant lui que cette personne-là lorsqu'elle a retrouvé sa monture. Vous imaginez avec quelle intensité, tellement elle était contente, elle s'est trompée dans ce qu'elle a dit. Mais Allah, il a accepté son doigt quand même. Mais même si on se trompe, même si on ne s'est pas demandé, parfois on dit, mais ça, ah, où fait doigt? Moi, je ne gagne pas, moi. C'est faux. Je vous le dis, c'est faux. Bien sûr, il faut demander aux grands de faire doigt pour nous. Ça, c'est... comment on va dire ça? Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais nous-mêmes, quand est-ce que nous allons prendre le temps de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire... Oui, ça, fais doigt pour mes enfants. Ça, souvent, on entend ça. Nous-mêmes, on dit aux gens, mais est-ce que moi, j'ai pris le temps de faire doigt pour mes enfants? On fait voir faire doigt pour nos péchés, mais pour mes enfants, quand est-ce qu'on va faire doigt? D'accord? Donc ça aussi, c'est très important de faire doigt et d'avoir cette présence d'esprit et, on va dire, cette intensité dans la parole et dans le cœur avec laquelle on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est trois choses concernant l'action et pour la protection, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est des garde-fous. Hein. Et on a besoin de garde-fous. Parce que si on n'a pas de garde-fous, bien, c'est très dangereux. Hein. À notre époque, c'est très dangereux. D'ailleurs, lorsqu'on a des garde-fous, même on ne connaît pas comment les garde-fous, hein, on retrouve le garde-fou cassé, coupé, hein, détérioré, etc. Parmi les garde-fous que les ulama nous disent, c'est que lorsqu'on a déjà fait tauba, tout de suite maintenant, s'accrocher aux bonnes actions. Et les bonnes actions là, quand je vous dis bonnes actions, ce n'est pas lecture du Coran. Hein. Quand je vous dis bonnes actions, ce n'est pas sadaqa. Hein. Quand je vous dis bonnes actions, c'est namaz faraz. Premier. S'adresser, s'accrocher au faraz. Nafil vient après. Au faraz avant. On ne peut pas espérer recevoir récompense de la part d'Allah et recevoir satisfaction de la part d'Allah par les nawafil si le lien avec Allah par les faraïs ne sont pas remplis. Il y a des priorités dans la vie. Donc priorité c'est faraïs. Que ce soit salat, que ce soit zakat, à l'heure, le mois de Ramadan arrive, que ce soit hajj, si on n'a pas fait, ne tardez pas, juste un masla, retarder le hajj d'un an, c'est un petit péché. Retarder le hajj de plusieurs années, c'est un grand péché. Et si on meurt après avoir retardé de plusieurs années, et bien si on l'a fait après plusieurs années et on l'a retardé pendant tout ce temps, on était dans le grand péché. Parce qu'Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, un de ses usuls, c'est quoi? Persister dans le petit péché, ça équivaut à devenir un grand péché. D'accord? Donc ça, c'est très important. Que ce soit hajj ou autre obligation de nos relations avec les autres. D'accord? Ça aussi, on n'a pas eu le temps de parler. Dans nos relations avec les autres, c'est très important pour que le tawba soit accepté. Donc on regrette, on demande à Allah pardon de tous les péchés. Ça aussi, hein, de tous les péchés. On dit, non mais péché, là t'es trop petit, ça n'a pas besoin de demander ça. Ah bon? Que sait-on nous de la petitesse ou de la grandeur des péchés? Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, lui-même il dit que ne regarde pas la petitesse de ton péché, regarde la grandeur de celui qui tu as désobéi. Regarde la puissance de celui que tu as désobéi. Donc ça, si on a cette conscience-là, eh bien, tout petit péché aussi peut être grand péché. D'accord? Donc ça, c'est important à retenir. Et comme j'ai dit, c'est de s'accrocher aux faraïs. Et bien sûr, avec les nawafil, ensuite, les nawafil de le faire par la suite. Et maintenant, dans les faraïs, pourquoi je vous dis les faraïs et les nawafil aussi, c'est important de s'accrocher. Parce que nawafil, il y a deux choses, il y a deux fonctions. Nafil, il y a deux fonctions. Malheureusement, on fait nafil que pendant le mois de Ramadan. Souvent, nafil, mashallah, parce qu'on connaît qu'il y a une salat faraz. C'est pour ça qu'on le fait. D'accord? Mais si on savait les bonnes actions nawafil, qu'est-ce qu'elles nous rapportent? Une fois, il y a qu'une personne est venue voir Ibn Abbas radiallahu anhu. Écoutez bien ça. Il dit que voilà, j'ai fait un péché. J'ai tué quelqu'un. Ah bon? Comment on a tué cette personne? Elle dit en fait, j'ai fait une demande pour une fille. Elle a refusé. Il y a un cassage. Rien. Et il y a un ami à moi qui a fait la demande, elle a accepté. Ma jalousie était tellement, on va dire, ma haine quoi. C'est la jalousie, elle est devenue en haine. Entre l'amour, il y a haine qui n'est pas, non? D'accord? Donc elle est tellement devenue haine que j'ai tué cette fille-là. Ibn Abbas, radiallahu anhu, il a dit à cette personne, bir
ummak. Écoutez bien, j'ai trouvé ce hadith là aujourd'hui. Bir umma, agis en bien avec ta maman, fais khidma de maman. Cette personne a dit, j'ai plus de maman. Ibn Abbas, il a dit, mais fais tôt, allons. En premier, il a dit, bir ummak. Et après, il a dit, fais tôt. Alors, cette personne est partie, les gens qui étaient auprès d'Ibn Abbas, ils disent, pourquoi tu as dit, comment ? Agis en bien avec ta maman. Alors, Ibn Abbas, après, peut-être c'est son opinion personnelle, il a dit, je ne connais pas une action aussi grande que la bonté envers sa maman pour effacer le péché que cette personne n'a commis. Donc nous, on va remettre ça dans le contexte, Tawbah on fera même. Mais avec Tawbah, il faut ajouter des bonnes actions. Il faut lier des bonnes actions. Et une bonne action, fait khidmat maintenant. Ceux qui ont encore leur maman, ne négligez pas ce privilège, je dis bien ce privilège que vous avez de pouvoir rendre service une fois par jour peut-être à maman. Donc ça c'est important. Donc de lier avec le Tawbah, de lier des bonnes actions. Et puis, donc ça c'est un garde-fou, ibadat. Un deuxième garde-fou, c'est d'acquérir la connaissance. Ça tout le monde le fait à son niveau, bien sûr, que ce soit dans Durus, que ce soit dans Madrasa, que ce soit à travers les majlis, des différents majlis dans différentes villes, dans différents halaqas, que ce soit dans sortant de le chemin d'Allah, que ce soit le talim à la maison. Le ilm, acquérir la connaissance, c'est le seul moyen, je ne dirais pas le seul moyen, mais en tout cas le meilleur moyen pour faire disparaître les doutes de notre cœur. Doutes. Vous connaissez, il fait ça, il ne fait pas ça. Allah yama nous, Allah yama pas nous, Allah yama moi. Parfois il arrive ça, Allah yama moi. Tout ça, épreuve arrive, Allah yama moi. Si on a la connaissance d'Allah, la question ne se pose même plus. On sera radha bil qada, on sera content de ce qui nous arrive. Donc la connaissance est quelque chose qui est important, min al-mahdi ila al-lahdi, du berceau au tombeau. Donc n'attendons pas le mois de Ramadan pour s'asseoir dans les majlis, d'accord ? Si les ulama ne font pas, sollicitez-les pour qu'ils font tout au long de l'année, majlis, ilm, zikr, ta'lim, etc. Et puis, inshallah, ilm. Ça c'est le deuxième garde-fou. Troisième garde-fou, c'est fréquentation. Celui par l'intermédiaire duquel tu es tombé dans le péché, eh bien ne le fréquente plus, juste pour ne pas tomber dans le péché. On ne parle pas de détester la personne. On ne détestera jamais la personne. On va toujours détester le péché qu'a commis cette personne. D'accord ? Jamais détester la personne. Qu'importe que ce soit un jeune qui a commis tant de péchés, ou bien que ce soit un vieux en qui on avait tellement confiance, jamais ne détester la personne. Détester le péché qu'a commis cette personne. Parce que si vous allez... Parce que une fois le prophète a dit aux gens, ne détestez pas la personne. Au contraire, remerciez Allah qui ne vous a pas fait tomber dans le péché dans lequel lui, il est tombé, dans l'épreuve dans laquelle il est tombé. D'accord ? Donc de choisir ses fréquentations. Si on connaît que si on va s'asseoir avec ce groupe de camarades-là, ben ça encore c'est de moi. Essayons d'éviter. Si nous avons possibilité, si nous sommes le leader dans le groupe, dis ben hé, soit notre cause bien, soit quoi pas du tout. Ça aussi c'est possible. Si on a la possibilité de le dire avec la bouche, si on n'a pas la possibilité, on quitte le majlis, on part. D'accord ? Médisance, subhanallah. Bon, on ne va pas parler médisance. Donc, et autres, ça aussi. Que nous ne soyons pas. Alors, si nous on a été un leader intermédiaire pour que les gens tombent dans le péché, parfois c'est nous qui sommes les suiveurs, parfois c'est nous qui sommes les leaders. Il y a deux cas, d'accord. Si on a été un suiveur, donc on va laisser, on va pas essayer de fréquenter. Mais attention. Quand je dis on n'était pas de fréquenter, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas salam. Salam on fait à tout le monde. Kalam on fait pas à tout le monde. Salam on fait à tout le monde, mais on ne parle pas à tout le monde.